Non, sérieusement, on a tout fait aujourd'hui. On s'est retrouvé contre une bonne équipe de Nîmes, même à 10, on est vraiment au chaud. Ils ont des bons joueurs, c'était un bon match chouette, on a cru jusqu'à la fin. Et Ibra, il s'est libéré, il nous a fait plaisir, il est revenu le vrai Ibra, et je suis très content pour lui et pour l'équipe. Pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps pour Monaco? On vous a vu douter pas mal de fois, notamment le match contre Caen, ce match-là aussi. Pourquoi est-ce que vous avez douté comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait trop d'enjeux peut-être? Peut-être il y avait trop d'enjeux et tout le monde nous attendait chez eux. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé aussi contre une bonne équipe de Nîmes. Et c'était pas facile et je suis très content de ces trois points. Et c'est retour à la dernière seconde, vraiment, que des émotions quoi. Maintenant, forcément, c'est le titre, l'objectif. Ouais, c'est sûr, on reçoit Le Mans et puis j'espère qu'on pourra fêter ça chez nous. Merci beaucoup. Et l'information aussi, c'est que Monaco a aussi son Ibra. Oui, c'est bien vu.